Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la faune et de la flore sur BFME. Hein. On a des petits canards, on a des petits bobies, on a des petits chiens, enfin je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a encore? Je crois qu'il y a des petits cochons, ouais, des petits cochons. Bon, je rigole, on va pas que parler de ça, on va surtout faire une petite vidéo tuto. Alors, le principe est assez simple, mais peut-être que vous allez me dire à la fin que même ton tuto il sert à rien. Et qu'est-ce que moi je vais vous dire? Bah, vous avez peut-être raison, mais bon, je vais quand même vous montrer. Alors déjà, le chien est en train de montrer un bon exemple de ce que je veux faire. C'est qu'en fait, quand vos unités se rapprochent, normalement, les animaux prennent peur. Et donc, si vous avez un champ de vision assez faible sur la map, bon là, j'ai un peu triché parce que vous avez un champ de vision partout. Mais avec ça, potentiellement, vous pouvez repérer des mouvements ennemis sans les voir. Donc, vous voyez, ils se taillent dans la direction opposée de là où sont mes unités. Et ils peuvent aller quand même à une sacrée distance. Hein. Normalement, vos unités, s'ils sont là, ils n'ont pas la vision là. Mais par contre, grâce aux animaux qui se sont taillés, bah, ils peuvent potentiellement. Vous pouvez potentiellement savoir qu'il y a des unités ennemies en face. Voilà. Bon, est-ce que ce tuto vous sera très utile en game? Je sais pas trop. Hein. Mais je trouve que c'est toujours sympa de savoir. Hein. Vous pouvez profiter de ça pour savoir où sont vos unités. Enfin, les unités ennemies, hein. C'est toujours pas mal. Beaucoup de trucs comme ça à la map. Et je trouve qu'on regarde pas assez les animaux, hein. Franchement. Il y en a qui regardent les combats et les fights. Non, non, faut voir les animaux. Moi, ce qui est très dommage, c'est que les creeps, ils coupent pas les animaux au passage. Hein. Ça aurait été comique, hein. Un petit Bobby là qui prend un petit lapin et qui le bouffe. Qu'est-ce que ça serait beau. Bon, voilà, c'était une petite vidéo sympatoche, hein. Voilà, j'espère que ça vous aidera à gagner des games, hein. Lol. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus.